Bonjour mes chers élèves, c'est la séance d'expression orale. Je vous invite à écouter l'histoire qu'on a vue le matin pour répondre à quelques questions. Le voyage de Flosco, épisode 1. Autrefois, dans les villages, les enfants apprenaient le métier de leur père. Si on était fils de fermier, on devenait fermier. Si on était fils de coiffeur, on devenait coiffeur. Si on était fils de fromager, on fabriquait des fromages. Flosco, lui, est le fils du forgeron. Mais Flosco n'aime pas la forge. Jamais, de mémoire de villageois, on n'a vu un enfant aussi maladroit. Quand son père lui demande « Apporte-moi le marteau. » Boum, le marteau lui tombe sur les pieds quand il lui dit « Donne-moi la pince. » Aïe, Flosco se pince le doigt. Quand il lui demande de retirer un fer du feu, catastrophe, Flosco se brûle le bras ou la joue ou l'oreille. Et quand il faut ranger l'atelier, tous les outils se dispersent comme par magie. Et le petit désordre devient une grande pagaille, comme si un éléphant était passé par là. Flosco y a gagné un surnom, Pagaillou. Le père de Flosco est désolé. Et il n'a pas les pieds sur terre. Il mettrait même l'alphabet en désordre. Qu'allons-nous faire de lui? Demande-t-il. Mais il sourit. Il a la tête dans les nuages et pleine de rêves, dit sa mère. Qu'allons-nous faire de lui? Mais elle sourit. Je veux devenir fou du roi, dit Flosco, car il a lu dans son livre d'histoire que les rois de France avaient auprès d'eux quelqu'un qui les faisait rire quand ils avaient trop de soucis. Fou du roi, ce n'est pas un métier, répond son père. Il n'y a plus de fou du roi, ajoute sa mère. Alors je ferai rire les enfants, pense Flosco. Très bien, les enfants. On écoute la première partie. Le voyage de Flosco, épisode 1. Autrefois, dans les villages, les enfants apprenaient le métier de leur père. Si on était fils de fermier, on devenait fermier. Si on était fils de coiffeur, on devenait coiffeur. Si on était fils de fromager, on fabriquait des fromages. Flosco, lui, est le fils du forgeron. Mais Flosco n'aime pas la forge. Jamais, de mémoire de villageois, on n'a vu un enfant aussi maladroit. Très bien, les enfants. Quand se passe l'histoire? Quand se passe l'histoire? Autrefois, on ne sait pas exactement. Où se passe l'histoire? L'histoire se passe dans un village. Les habitants d'un village sont des villageois. Pourquoi Flosco a-t-il l'air si triste de sa maladresse? Il est triste et se sent un peu honteux parce qu'il ne pourra pas faire comme son père. Il a peur de décevoir sa famille. On écoute la deuxième partie. Son père lui demande « Apporte-moi le marteau. » Boum, le marteau lui tombe sur les pieds quand il lui dit « Donne-moi la pince. » Aïe, Flosco se pince le doigt. Quand il lui demande de retirer un fer du feu, catastrophe, Flosco se brûle le bras ou la joue ou l'oreille. Et quand il faut ranger l'atelier, tous les outils se dispersent comme par magie et le petit désordre devient une grande pagaille, comme si un éléphant était passé par là. Flosco y a gagné un surnom,
bagayou. Très bien, les enfants. Être maladroit, cela pose quel problème dans la vie de Flosco? Premier problème, c'est dangereux, surtout dans une forge, avec le feu et des outils très lourds. Il n'arrête pas de se faire mal. Second problème, cela met de la pagaille, un grand désordre dans l'atelier, ce qui rend le travail plus difficile. On continue. Le père de Flosco est désolé. Et il n'a pas les pieds sur terre. Il mettrait même l'alphabet en désordre. Qu'allons-nous faire de lui? Demande-t-il. Mais il sourit. Il a la tête dans les nuages et pleine de rêves. Dit sa mère. Qu'allons-nous faire de lui? Mais elle sourit. Très bien, les enfants. Les parents de Flosco sont-ils fâchés contre leur enfant? Les parents de Flosco ne sont pas fâchés. Ils sourient, car ils savent que Flosco ne fait pas exprès d'être maladroit. On continue. Je veux devenir fou du roi, dit Flosco, car il a lu dans son livre d'histoire que les rois de France avaient auprès d'eux quelqu'un qui les faisait rire quand ils avaient trop de soucis. Fou du roi, ce n'est pas un métier, répond son père. Il n'y a plus de fou du roi, ajoute sa mère. Alors je ferai rire les enfants, pense Flosco. Très bien. Que veut devenir Flosco? Que veut devenir Flosco? Flosco veut devenir un fou du roi. Très bien les enfants, j'espère que vous avez bien compris l'histoire. Au revoir.